Pour la première fois, un languedocien est devenu champion de France de cyclocross en catégorie cadet. Son nom, Arnaud Jouffroy, du club de Calvisson Windbike. Ce jeune agatois est l'un des plus sûrs espoirs du cyclisme français. Il a remporté son titre la semaine dernière à Sedan devant plus de 10 000 spectateurs. Découverte signée Denis Clerc et Frédéric Yop. Dans la cour du collège d'Agde, un élève tranquille et discret plane au-dessus de tous ses camarades. Le voici, à 15 ans, il a déjà le physique d'un adulte et un beau palmarès. Je m'appelle Arnaud Jouffroy, je suis en 3e et je suis champion de France en cadet. Arnaud Jouffroy est le premier champion de France de la région en cyclocross. Il a remporté sa belle tunique dimanche dernier à Sedan. Les profs, ils n'en reviennent pas. Ils ont du mal à réaliser, mais bon. Moi, au début, là, je commence un peu à réaliser, mais au début, j'étais un peu sur un nuage. C'est que maintenant et tout que je commence à réaliser. Quand j'enfile le maillot et tout. Voilà. Non, tu représentes la France en cyclocross. Ouais. Et je souhaite de pouvoir se dire ça. Arnaud est entraîné par Thomas Boutin, le champion régional de cyclocross et de VTT. Un maître dans cette discipline, parfois dépassé par l'élève. Donc il arrive vite, il tire très fort avec l'avant, il lève l'arrière. C'est assez particulier parce qu'on a l'impression quand on voit Arnaud que tout le monde fait ça sur un cyclocross. Mais ils ne sont pas plus d'une dizaine à réussir, une dizaine en France, toutes catégories confondues, à réussir à sauter les planches de cette manière. Pour son âge, ce coureur cadet est un phénomène, presque une bête curieuse. Ses tests physiques sont énormes, tout comme son bagage technique. En plus, c'est un bosseur. Bref, le fils idéal pour sa famille, originaire de Picardie. Il est toujours à peaufiner sa technique, toujours en recherche du mieux, quoi. Et c'est un garçon formidable, il le mérite. Son avenir, Arnaud Jouffroy le voit évidemment dans le cyclisme, soit comme mécanicien vélo, soit comme pro, et il en rêve tout haut. Moi j'aimerais bien être dans une équipe professionnelle, dans une équipe de route, en tant que cyclocrossman. Et après un peu arrêter le cyclocross pour me mettre à la route. Maintenant, le plus dur commence pour cet espoir licencié au club de Calvisson, confirmer ce maillot tricolore, et il en a les moyens.